Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder à la guidance du mois d'août pour le signe du Bélier. Alors n'hésitez pas à partager, liker mes vidéos. Si c'est déjà fait, je vous dis un grand merci de vous être abonné à ma chaîne, sinon je vous invite à le faire. Petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Il se peut que vous trouviez des messages dans votre vidéo de votre signe solaire, mais vous pouvez aller faire un tour aussi de côté de votre signe ascendant et lunaire si vous le connaissez. Petit rappel, le temps est flexible. Il se peut que ce dont je parle se soit déjà passé, soit en train de se passer ou se passera au-delà du mois d'août. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance privée, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Allez, les béliers, quelle est votre force au mois d'août? Quelle est votre grande force au mois d'août? Quelle est votre faiblesse? Qu'est-ce que l'air a à vous dire, les béliers? Qu'est-ce que le feu a à vous dire? Qu'est-ce que la terre a à vous dire? Qu'est-ce que l'eau a à vous dire? Et dans quelle énergie vous finissez le mois d'août? Quelle est l'énergie fin août qui est là pour vous? Ok. Alors, je vais prendre une carte pour avoir la tonalité de votre mois, les béliers. La tonalité de votre mois. Ok. Allez, c'est parti. La tribu. Pendant ce mois, vous allez vraiment vous rendre compte de l'importance de votre famille. Bon, c'est vrai qu'on est au mois d'août, peut-être qu'il y a des réunions de famille, vous avez décidé de partir en vacances avec votre famille, mais là, il y a vraiment l'idée de se retrouver en famille, de prendre soin les uns des autres, d'être peut-être plus attentionné aux plus petits que vous. Hein, peut-être que ces derniers temps, vous avez laissé de côté vos enfants, vous n'aviez pas eu le temps de vous en occuper correctement parce que vous étiez pris par le travail ou par plein de, comment dire, de soucis. Et là, le mois d'août, vous voyez, c'est vraiment la tribu qui est mise à l'honneur. Alors, ça peut être votre cercle familial, mais ça peut être aussi votre cercle amical, des réunions avec les amis que vous aviez perdu de vue, que vous avez envie de revoir, de retisser des liens. Vous voyez, vraiment, c'est la notion de clan que je sens très fortement, qui est vraiment là, présent pour vous durant le mois d'août. Alors, quelle est votre force? Votre force, oui, c'est l'énergie du roi de coupe. Vous êtes extrêmement bienveillant. Vous voyez, quand je vous disais que vous avez envie de prendre soin des plus petits que vous, ou même de vos amis ou des gens que vous aimez, le roi de coupe nous parle de ça. Ça, c'est une de vos grandes forces. C'est que vous savez prendre soin déjà de vous, mais soin des autres. Vous êtes quelqu'un qui est extrêmement bienveillant, sur lequel vous pouvez sur lequel on peut s'appuyer. Vous êtes de bons conseils. Vous êtes doux, vous êtes à l'écoute, hein, vous voyez, dans cette bienveillance. On pourrait dire de vous que vous avez une oreille, bienveillante, et une oreille un peu de thérapeute. Vous êtes vraiment dans cette empathie. Hein. Ça, c'est une de vos grandes forces ce mois-ci, les béliers. Alors, quelle est votre faiblesse? L'énergie de la grande prêtresse, la papesse. Votre faiblesse, c'est que vous doutez de vos intuitions. Vous doutez que vous puissiez recevoir des messages, que vous êtes peut-être clairaudient ou clairvoyant. Il y a ça, il y a vraiment l'idée d'un doute là chez vous, que vous il y a l'idée que vous ne vous faites pas confiance par rapport à vos ressentis, à vos intuitions. Et peut-être aussi que, bon, au fond de vous, vous savez que vous avez ces dons-là, que vous êtes quelqu'un d'extrêmement intuitif, mais vous le cachez. Vous voyez, il y a quelque chose dans la grande prêtresse, elle cache. Il y a quelque chose de caché. Et là, comme c'est en faiblesse, je pense que vous cachez aux autres peut-être vos dons de peut-être de médiumnité, ou peut-être, de clairvoyance ou de clairaudience. Et ça, c'est une de vos faiblesses. Vous pourriez vraiment peut-être vous appuyer encore plus dessus pour aider les autres à avoir dans votre bienveillance, en leur délivrant des messages qui peuvent justement, quand je vous disais que vous aviez une oreille thérapeutique, c'est que justement, il faudrait
vraiment mettre plus ça à l'honneur pour vous en servir, pour encore être encore plus, plus subtil dans vos réponses, dans votre aide, dans votre rapport aux réponses aux autres et à votre guidance. Alors, dans votre tête, comment c'est? Ce que l'air a à vous dire. Dans votre tête, c'est l'énergie du fou, du mat. Dans votre tête, vous avez un grand, grand besoin de liberté, j'ai l'impression. Vous avez, quelque part, vous avez envie aussi d'être un peu hors norme, d'être assez original, de sortir des sentiers battus. Vous en avez marre de faire, tout comme tout le monde, j'ai envie de dire. Et y a vraiment aussi l'idée de, aussi peut-être de lâcher certaines croyances, peut-être justement hein, de ce que vis-à-vis de comment vous deviez mener votre barque avec vos amis ou avec votre famille. Il y a vraiment dans votre tête une envie de lâcher prise, de vous dire ben, je fais confiance à la vie et puis on verra bien. J'avais décidé qu'on ferait ci, ça, ça dans la famille ou que ben, ça se passerait c'est comme ci, ça, ça, ça et puis vous vous rendez compte ben, que il y en a marre, vous en avez marre d'être dans le contrôle, de tout contrôler de votre vie et entre autres de votre sphère amicale ou familiale. Et là, vous vous dites je lâche et puis on verra. Alors, quels sont vos moyens d'action, quelles sont vos passions? C'est l'énergie du chariot. Dites donc, trois arcanes majeures, là déjà, c'est très très fort. Les arcanes majeures, c'est des grands archétypes, ça parle vraiment... Bah c'est l'appel de votre âme là, hein. C'est un moi qui est très spirituel. Donc vos moyens d'action, vous allez avoir envie que les choses elles bougent. Peut-être que vous allez avoir envie de déménager quand je vois ce chariot et que la carte centrale c'est la tribu. Peut-être que vous allez avoir envie de déménager avec votre famille, de partir loin. Enfin, vous avez vraiment envie que les choses elles bougent et de faire différemment. Hein. Quand je vois cette carte là avec le fou, vous avez vraiment envie de liberté et d'originalité. Alors, au niveau professionnel et pécunier, la Terre, elle a à vous dire quoi? Encore une arcane majeure? Waouh! C'est l'énergie du pape. Il y a des contrats qui vont signer pour vous, vous allez être guidé. Si vous avez envie de changer de travail, il y a des contrats qui peuvent être signés, comme je vous dis. Soit vous quittez un travail et vous en retrouvez un autre, mais il y a quelque chose qui se légalise avec le pape. Vous allez être guidé, j'ai envie de vous dire, suivez ce que vous sentez à l'intérieur de vous. Voyez, la lumière, elle est au bout du tunnel. Il se peut que ça soit quand même un peu laborieux, mais si vous suivez votre petite lumière, ce qui vous anime au plus profond de vous, ça va le faire. Ce qui me vient aussi en voyant la carte centrale, il se peut que vous ayez un projet familial que vous avez envie de mettre en route. Peut-être, voilà, une entreprise familiale, ou de laisser quelque chose qui était, comment dire, que vous faisiez avec votre famille, ou de créer quelque chose, une entreprise familiale. Vous me direz, les béliers. Hein. Alors, l'eau, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? C'est-à-dire, comment sont vos relations? Le 5 d'épée. Au niveau relationnel, il y a quand même beaucoup de tiraillements. Hein. Vous êtes partagé, j'ai l'impression, entre ce que votre tête vous dit et ce que votre cœur vous dit. Peut-être aussi qu'il y a des personnes autour de vous qui sont médisantes, qui comprennent pas trop votre façon d'agir en ce moment, de ce que vous avez envie de mettre en place. J'ai l'impression que vous pourriez susciter de la médisance et que du coup, ça vous prenne bien la tête de vous demander si ce que vous avez envie de mettre en place, c'est juste quand vous entendez les autres vous dire « Non, mais à ta place, je ne ferai pas ça. » Il y a vraiment une histoire comme ça où je pense que vous pourriez déstabiliser à la fin, au niveau de votre cercle amical, au niveau de vos relations. Alors, comment vous finissez le mois, les béliers? Le roi de denier. Très, très belle énergie. Il y a une stabilité à la fin du mois. Vous allez jouir de tout ce que vous avez construit. Vous allez reconnaître votre valeur. Vous allez faire fructifier peut-être ce que vous avez, des années de travail. Peut-être que vous avez un compte en banque et vous allez savoir comment le faire fructifier. Vous allez savoir vraiment entreprendre et investir votre argent. Vous voyez, il y a vraiment, c'est un roi, donc il y a vraiment une assurance à la fin du mois de votre valeur, de savoir comment investir votre argent, de jouir de ce que vous avez entrepris. Et vous êtes très très serein, vous êtes très ancré, vous êtes très très stable, oui, très très heureux, j'ai envie de dire.
Alors, un petit conseil supplémentaire pour vous les béliers. Un conseil supplémentaire. Ce qui me vient aussi, vous voyez, vous avez vraiment envie que les choses elles bougent et à la fin du mois, il y a quelque chose qui s'ancre et qui s'ancrera, pas définitivement, on peut pas, mais qui s'ancrera pour du long terme. C'est ça qui me vient. Vous voyez, si c'est un nouveau travail que vous commencez, c'est l'idée de déménager. Il y a vraiment quelque chose sur du long terme avec le roi de deniers qui est là pour vous les béliers. Écoutez, voilà la carte du petit conseil supplémentaire. Et, ben c'est exactement ça, vous voyez, là, c'est l'histoire que votre focus, enfin, la tonalité de votre moi, c'est la tribu, et là, c'est la communauté. La communauté, elle vous supporte, elle vous aime, et c'est ce qui vous permet d'aller dans le monde, hein, voyez. Donc, j'ai envie de vous dire, entourez-vous des bonnes personnes, celles qui vous font douter de ce que vous avez à l'intérieur de vous, et de ce qui vous anime, et de ce qui est vous, laissez-les de côté, et puis... soyez dans la bienveillance les uns envers les autres au sein de votre communauté familiale ou amicale et vous allez vraiment être soutenu par l'amour des vôtres. C'est vraiment ça, c'est très 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 beau les béliers. Ben, vous me direz dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. N'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs!